Alors, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette série de 25 épisodes consacrés au calendrier de l'Avent Level Up. Car pour le prestige, votre tonton Ziludo officiel va vous faire une dégustation de qualité pour vous donner son retour et son avis sur chaque saveur. Donc c'est parti, jingle! Alors, welcome les gens et bienvenue en ce 2 décembre 2023 pour le calendrier de l'Avent Level Up. Voilà, chaque jour, même si on n'est que le deuxième, je suis impatient justement de découvrir, comme je vous disais hier, les nouvelles saveurs de chez Level Up. Donc aujourd'hui, on se retrouve sur la face arrière du calendrier où, voilà, la première position, on a la case numéro 2. Donc bah, écoutez, on ouvre ça et c'est parti pour la magie et la découverte. Alors les gars, voilà, autant la case d'hier, je sais qu'elle s'était ouverte d'une seule traite, voilà, tandis qu'ici, voilà, les pointillons sont faits pour qu'elle s'ouvre, ben comme ça, voilà, en deux fois, enfin c'est bizarre, voilà, celle-là aussi, je sais pas, peut-être que j'ai mal vu le projet hier, bon, c'est pas grave. Alors aujourd'hui, une saveur connue, voilà, malheureusement, peut-être qu'après, les nouvelles saveurs, comme je vous disais, elles seront mises en fin de calendrier. Mais donc, il s'agit d'un petit Shiny Dragon en version Hydration. Donc, voilà les gars. Alors voilà, ça a fait le point. Donc, le Shiny Dragon en édition Hydration. Et je vous disais justement, oui, le Shiny Dragon Hydration, on le connaît. À savoir que, voilà, avant, les bouteilles, voilà, les bouteilles toutes faites de Level Up, voilà, Level Up Hydration, où il y a justement du Shiny Dragon, on a eu, voilà, il y en a qui sont toujours disponibles sur le site, des versions poudre du Level Up Hydration, mais le Shiny Dragon n'est jamais sorti en format poudre. Voilà, on avait eu le nucléaire, on avait eu le Bubble Boom, on avait eu le Galaxy, et on avait eu le Shiny Fox, voilà. Et bah, du coup, Shiny Dragon Hydration en poudre, on ne l'a jamais eu. Alors, est-ce que justement, ça fait partie des nouveaux échantillons? Alors, je dirais que oui, pour moi, c'est peut-être que, voilà, ils comptent le sortir en poudre. Donc, bah, écoutez, ce qu'on va faire, hein, comme d'hab, j'ai préparé le shaker avec déjà de l'eau dedans. On va l'ouvrir et tester ça. Puisque vous savez un petit peu, voilà où les habitués, les Level Up Hydration en version poudre, donc les 4 que je vous ai cités, c'est que la poudre, elle a un effet un petit peu sableux, ça retombe sur le fond du shaker, etc. On a toujours ce petit goût, parce que cette poudre ne se dissout pas très bien dans l'eau. Et Level Up avait dit, ben voilà, on va améliorer le produit. Alors, est-ce que ce Level Up Hydration en poudre a été amélioré ou autre? Je ne sais pas. D'ailleurs, on va regarder la date de péremption. Juillet 2025. Alors, à l'odeur, ça sent la poudre du Shiny Dragon. Vous allez me dire, oui, ben c'est normal. Après, voilà, à savoir que le Shiny Dragon Hydration, mais en boisson prête à boire, voilà, dans les bouteilles, c'est une autre odeur différente. Là, on sent ce goût de litchi, etc. Donc, ben écoutez, c'est parti. Hop, et shaker. Alors les gars, à ce qu'on peut voir, voilà, la couleur, et voilà, parce que du Shiny Dragon, on en a eu ben, uniquement en version poudre, édition classique, je dirais, ben, voilà, le Energy, et on a eu la version bouteille déjà prête à l'emploi, où la couleur était, je dirais, un petit peu plus foncée, je ne sais pas. Voilà, alors ouais, sur le retour caméra, elle paraît un peu plus foncée, alors là c'est vraiment bleu, ben, c'est vraiment assez pâle de mon côté, et honnêtement, c'est ce que je suis en train de regarder. On ne voit aucune trace de poudre. Voilà, aucune, de chez aucune, les gars. Voilà, il n'y a rien qui retombe. Voilà. Parce que j'en ai bu quand même pas mal des Level Up Hydration en poudre, mais les 4 premières versions. Et du coup, ben, ouais, je recheck, mais au final, normalement, les Level Up Hydration en poudre, c'est que tu les checkes comme là, et je pourrais le poser comme ça 10 minutes et attendre, et rien ne devrait retomber. Après, ouais, on voit, bon, moi je le vois à travers l'éclairage, on voit des petits points de poudre, etc., qui se promènent. Mais bon, par rapport à mon expérience, voilà, justement, je sais que le temps de le boire, même en 2-3 gorgées, la poudre, elle retombait assez vite. T'avais même pas le temps de faire ça, de dire, hey, salut, ça va, que c'était fini, en fait, ça retombait. Donc, bah écoutez, alors à l'odeur,
Je saurais pas dire exactement, enfin ça fait longtemps que j'en ai plus bu, si ça se rapproche, je pense que ça se rapproche un petit peu plus des versions bouteilles justement, que le Level Up que le Shiny Dragon, je veux dire, mais la version originale en mode énergie. Écoutez, santé. Alors ça paraît vraiment transparent de chez transparent, les gars. Voilà, vous voyez peut-être pas vraiment comme ça au retour de la qualité. Honnêtement, il n'y a aucune goutte de poudre qui retombe. Hein. Voilà, comme je vous dis par rapport à mon expérience, Level Up Hydration, je préfère vraiment les boire en bouteille toute faite. Et ouais, là pour le coup, même si j'en ai pas bu beaucoup, parce que mes préférés restent quand même le Galaxy, etc. Enfin quoi, que le Shiny Dragon en version toute faite en bouteille, ben en fait, il ressemble à ce goût-là. Voilà, l'odeur de la poudre, c'était peut-être pas ça. Mais j'ai l'impression de prendre une bouteille et de le boire, en fait. Où on a justement son petit goût qui est différent, on ne ressent pas trop le litchi comme dans la version poudre, que j'avais retesté d'ailleurs récemment. Ouais, c'était avec la version sourd, etc. Mais, honnêtement, what the fuck. Franchement, je suis étonné, parce que là, du coup, pour moi, la poudre, elle a été vraiment retravaillée. Bah, c'est une nouvelle saveur, donc pour moi, c'est une nouvelle saveur. La poudre a été retravaillée. Il n'y a aucun petit effet de l'effet sableux, voilà, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, etc. L'effet sableux des poudres Hydration n'est pas présent. Franchement, il est vraiment bon. Ouais, il n'y a vraiment rien sur le fond du shaker, quoi. Voilà. Les anciennes versions, il y aurait déjà de la poudre au fond. Et souvent, tu devais shaker avant de boire chaque gorgée. Ou sinon, bah, tu avais toujours un fond. Et même quand tu le buvais la dernière goutte, voilà, même s'il restait ça que tu le buvais d'une traite, tu sentais le goût de poudre vraiment sur le fond. Là, voilà, je fais traîner un petit peu les choses. Mais ouais, honnêtement, on ne voit rien du tout qui retombe. Et maintenant, regardez, il est bien mélangé. Je vous ai dit, on voyait un petit peu de poudre qui tournait par rapport à ce que j'avais shaker. Là, honnêtement, il est transparent de chez transparent, quoi. What the fuck? Enfin, what the fuck? GG à Level Up, du coup, s'ils ont réussi à retravailler la poudre du Hydration et que ça fonctionne nickelou, puisque du coup, par rapport aux bouteilles, voilà, les bouteilles toutes faites, le prix est un petit peu plus conséquent. Si on peut avoir du Hydration, bien évidemment, pour ceux qui préfèrent justement ne pas avoir de la caféine, etc. Franchement, cette version Shiny Dragon, c'est exactement la même que la bouteille toute faite. Là, maintenant, voilà, je sais, parce que voilà, j'en ai tellement bu. Une petite dédicace à Gats qui avait tout dévalisé en Allemagne. On avait pris que les Shiny Dragon et que les Galaxy au final. Non, franchement, il est trop bon, les gars. Aucun goût de poudre. Regardez, il reste un tout petit fond, mais il n'y a pas de poudre. Il n'y a rien du tout de chez rien du tout. Franchement, je suis étonné. Et si justement les Level Up Hydration poudre, voilà les anciennes versions qu'on connaît, alors je n'en ai plus acheté depuis pas mal de temps. Voilà les versions Hydration en poudre. Si parmi vous, il y en a qui en ont acheté récemment, donc je parle des anciennes versions, le Shiny Fox, le Bubble Boom, le Galaxy et le Nucléaire, je pense, ouais. Ben, n'hésitez pas à me dire si l'effet sableux est encore présent par rapport aux nouveautés, voilà, enfin aux nouveaux pots, les nouvelles éditions qu'ils ont peut-être sorties. Ben voilà, depuis, je ne saurais même pas vous dire quand, depuis un an peut-être, depuis minimum un an. Mais voilà, chaque fois qu'on m'en parle, que ce soit sur des lives, des vidéos et tout, on parle toujours du Level Up, pardon, du Level Up Hydration en poudre avec l'effet sableux. Donc du coup, il n'y en a pas beaucoup qui apprécient par rapport à ça. Mais là, honnêtement, ça a été corrigé. Le Shiny Dragon Hydration, qui n'a rien à voir avec le Shiny Dragon Energy, du coup, du fait qu'il n'y a pas de caféine dedans, mais le goût, c'est vraiment le goût de la bouteille. Donc ça peut sortir en pot Hydration, c'est approuvé à 100%, les gars. Donc au final, c'est peut-être une vidéo où on a une exclusivité. Shiny Dragon en poudre, c'est validé, les gars. Donc écoutez, je vais pas faire durer la vidéo plus longtemps, puisque le but, c'est de faire des mini-vidéos de plus ou moins 5 minutes, comme je vous ai dit. Vous avez mon retour, Shiny Dragon Hydration en poudre, validé. Via cet échantillon du 2 décembre, bien évidemment. Hâte que le pot sorte. Après, voilà, c'est toujours un test à ces nouvelles saveurs qu'on va découvrir. C'est pour vraiment avoir un retour des gens, pour voir si oui ou non, on va les sortir. Enfin, si Level Up, voilà, c'est pas moi, les gars, là, j'ai déjà dit. Moi, j'ai rien à voir, mais si Level Up va vraiment sortir ses saveurs en 2024, les gars. Shiny Dragon Hydration, c'est approuvé. Je vous dis à demain pour la troisième découverte du Level Up. Donc, bonne soirée, bonne fin d'après-midi, etc. Et je vous dis à demain et ciao, ciao.